série des Tancrèdes, déjà il y avait d'énormes tractations entre les Normands de Sicile et Venise. Et là, Hugues devient le conseiller du doge Vitale Michiel II et va donc avoir un rôle de conseiller un peu obscur, mais dans une histoire de meurtre. L'idée était aussi d'aller à la rencontre d'une Venise qu'on ne connaît pas du tout, puisque dans les romans, d'habitude, sont traités la Venise du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe, mais jamais la Venise médiévale. Donc, je l'ai découverte en même temps. J'ai essayé d'en faire une image assez exacte. Et c'était une vraie enquête policière, pour le coup, déjà, que de reconstituer la ville. Je travaille énormément sur les lieux en y étant moi-même. L'ambiance médiévale, on la trouve encore dans une île comme Torcello. Donc moi, j'ai beaucoup été à Torcello. Et après, j'ai essayé vraiment de dessiner la Venise de cette époque-là, qui n'avait pas de pont du tout. Le seul pont de barque était au Rialto, et sinon, c'était des planches qu'on jetait. Chaque île était un village autonome. Donc c'est vrai que ça a été une longue reconstitution, un peu comme un puzzle, pour arriver à cette image-là. C'était ce qu'on appelle chez nous un unitaire, donc c'est juste un livre. Peut-être j'y reviendrai par la suite, mais pour l'instant, il se tient tout seul.